Bonjour à tous, bienvenue sur Galou Challenge Rétro, j'espère que vous allez bien. Beaucoup d'entre vous vont être contents, j'ai enfin réussi à refaire ma partie d'Harry Potter et la Chambre des Secrets, là où je m'étais arrêté dans la précédente vidéo. Bon là on est un petit peu revenu en arrière, mais on est de nouveau dans l'antre des Serpentards. Et donc on va continuer notre aventure en espérant que je ne perdrai pas ma sauvegarde. J'ai fait des réglages aussi au niveau du PC, j'ai réussi à corriger le problème d'affichage quand on est dans ce menu là. J'ai refait le défi Crack Badaboom, ce qui fait que j'ai un petit peu plus de points au niveau du score des maisons. Bon, par contre on est toujours loin de Serpentard, mais ça c'est parce qu'on n'a pas fait tous nos matchs de Quidditch. Donc vous voyez, les matchs de Quidditch, là on en a deux à faire que je n'ai pas encore fait, mais je voulais avancer d'abord dans l'aventure. Alors du coup, là va falloir qu'on se débarrasse des lutins de Cornouailles. On ouvre le passage là qui mène jusqu'au bout du tapis avec le gargouille. Je l'ai pas eu. Où est-ce qu'il est? Si, je l'ai eu. Voilà, normalement ça doit être bon. Donc on va ouvrir le passage avec le gargouille. Voilà. Par contre, avant d'y aller, je vais vous montrer, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, on avait sauté de passerelle en passerelle ici. Hein. Et j'avais dit, c'est bizarre, ça mène nulle part. Et en fin de compte, je me suis trompée, ça mène vraiment bien quelque part, je vais vous montrer. Du coup, faut que je reprenne celle-ci sans tomber de préférence. On va attendre que ça revienne. Voilà. Oups. Le problème, c'est que pour y aller, c'est très dangereux. Et vous voyez, il y a un truc qui brille là dans le mur. Je l'avais pas vu la dernière fois. J'avais pas été jusqu'au bout. Et voilà. Donc on a trouvé un passage secret qu'on n'avait pas trouvé dans la précédente vidéo. Je suis super contente, finalement ça me met bien quelque part. Mais j'avais pas été jusqu'au bout. Donc on a récupéré une carte, des dragées. Le tout maintenant c'est qu'il va pas falloir tomber pour quand je vais repartir dans l'autre sens. Parce que sinon on est obligé de tout refaire le niveau. Essayez de pas tomber. Voilà. En y allant tranquillement, normalement, ça devrait être bon. Parfait. On est presque au bout. Pas de précipitation. On a fait le plus dur. Voilà, parfait. Donc maintenant, je pense qu'il faut réactiver le gargouille parce que là-bas, ça s'est fermé. Voilà, parfait. Et donc, on va continuer. Et là, donc, notre objectif, c'est de trouver Malfoy. Je sais pas s'il y avait des choses au niveau des tableaux. J'avais pas testé la dernière fois. Mais on va prendre notre temps. Allô, Obama. Ok. Par contre, il y a plein d'araignées. C'est pas top. Ok. Oula, elle m'a fait peur celle-ci. Ouf, j'ai sursauté. Elle m'a fait très très peur. Je m'en rappelais plus. Bon, je les ai tout eues. Oui. Il y en a peut-être une autre. Non. On va y aller doucement. Hein, parce que s'il y en a une autre, j'ai pas envie d'être surpris. Si, il y en a une autre. Ok.
sais pas où ça va nous mener. S'il y a des passages sur les murs, je pense pas. Qu'est-ce qu'on a ouvert? Une bibliothèque. Par contre, de l'autre côté, j'avais pas terminé. Je vais y revenir. Est-ce qu'on peut ressortir? Ouais, on peut ressortir. Parce que j'ai pas fait tous les tableaux. Autant fouiller avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est ici que ça avait planté la dernière fois. Par contre ça n'active rien, c'est bizarre. Il me semblait que c'est vraiment bizarre. J'ai oublié un truc. Ah, là, ça servait à rien, je crois. Ouais, ce qui me semblait, ça servait à rien. Où est-ce qu'on est? C'est bizarre, j'étais persuadée que les panneaux activaient quelque chose. Bizarre. Très bizarre. Ou alors je confonds avec un autre endroit. Alors là, la fontaine, je m'en rappelle. Je ne sais plus si c'était bien une carte. Alors, il y a un truc que je piche pas. C'est qu'il me semble que... Ah bah si, c'était mal placé. C'est bien ce qui me semblait. Il y avait un mécanisme. Voilà. Et en dernier, le garde. C'était derrière leur le gargouille. Enfin, c'est pas vraiment un gargouille, c'est plutôt un espèce de dragon. Allez, on verra. Et encore une carte. Bon, là, on avait tout fouillé, donc on va pouvoir aller dans la bibliothèque où il y avait les étoiles les araignées, pardon. Et par contre, je crois que je suis partie du mauvais côté. Je sais plus. Si, c'est là le passage secret. Il est au bout. Où est-ce qu'il est? Il est là. Allez, on aura. Bon, ça va. Au moins, les grosses araignées, elles sont mortes. On va écraser les petites. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je crois qu'il faut sauter d'étagère en étagère. Je ne me rappelle plus comment. Peut-être un mécanisme là dans le monde. Ça m'a ouvert quoi. Ah non, ça baisse les... Super. J'ai vu qu'il y avait une grenouille, je vais en profiter pour faire le plein. Alors, hop. Bon, attends, pourquoi je sautais d'étagère en étagère? Ah bah si, bah voilà pourquoi. Allez, on va. J'ai un passage secret à activer et une carte. Nickel. Bon, est-ce qu'il y a autre chose là-bas dans le mur? Je ne pense pas. Hop. Donc là, on revient ici. Là, cette dame-là, elle va me cracher des araignées, donc c'est pas par là qu'il faut aller. Il faut que j'aille dans la salle commune, voilà. Normalement, on devrait trouver Malfoy. Je pense. Non.
il y a pas mal de feuilles. Est-ce qu'il y a des choses à faire? Il ne se passe rien. Là, je récupère pour faire des potions. Toujours utile. Je pense qu'il n'y a rien à faire ici. On va aller par là. Donc là, on n'y était pas allé. Donc c'est nouveau. C'est parti. Par contre, dis donc, il y a des serpentards partout. C'est bizarre qu'il y ait des grandes salles comme ça. Je crois qu'on a trouvé Malfoy. Ah, te voilà, Goyle. Je t'ai cherché partout. Viens, suis-moi. Tu sais, Goyle, je crois que Dumbledore fait tout ce qu'il peut pour étouffer l'affaire. Mais si ses attaques ne s'arrêtent pas, il sera renvoyé. Quant à Saint Potter, il ne se conduit même pas comme un vrai sorcier. Et dire que certains pensent qu'il est l'héritier de Serpentard... Si je savais qui c'était, moi je l'aiderais. Tu dois bien avoir une petite idée. Mais non, combien de fois faudra-t-il que je te le répète? Mais je sais au moins une chose. La dernière fois que la chambre a été ouverte, un sang de bourbe est mort. Tôt ou tard, l'un d'entre eux va se faire tuer. Et j'espère bien que ce sera Granger. Ouais, Drago. Bon, il faut que j'y aille. Où ça? À l'infirmerie. Ouais, c'est ça. À l'infirmerie. J'ai mal à l'estomac et il faut que je me soigne. Bah vas-y, tu vas pas te traîner toute la soirée avec ce visage tout pâle. Donc du coup, faut retourner à l'infirmerie. Ah, la potion ne fait plus effet. Oulala. Je ferais bien de garder mes distances avec les serpentards et de ne pas trop me faire remarquer. Je préfère ne pas imaginer ce qui arriverait s'ils me trouvaient ici. Bien, je suppose qu'il va falloir essayer de sortir de chez les Serpentards sans se faire remarquer. Alors, à mon avis, le plus simple, c'est peut-être de passer par les passages secrets. Rien voir. Qui es-tu ? Certainement pas un serpentard. Pour m'attraper, je vais essayer de sortir. Il y a quelque chose de louche, professeur. Je l'ai. Ah, crotte. Bon. Eh bien, Lander, je crois que cette fois, vous n'échapperez pas à l'expulsion. Il faut que je sorte de là sans me faire repérer par les serpentards. Bon, bah ça va être chaud. Hein. Ça se trouve, je vais le faire au moins 15 000 fois. Bon, par là, il y a plein de serpentards. C'est pas la peine. Peut-être que je me cache. Oups. Il y a quelque chose de louche, professeur Rogue. Je l'ai! Mais comment on fait? Eh bien, docteur, je crois que cette fois, vous n'échapperez pas à l'expulsion. Bien, bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là, on verra la suite. Il faut que je sorte de là sans me faire repérer par les serpentards. Il va falloir que je cherche le moyen de quitter les serpentards. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très vite sur Galou Challenge Rétro. Portez-vous bien.